Bonjour, Brigitte Parnet-Evin, bienvenue au Paris Golf Country Club. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de pilates. Alors, j'ai choisi des exercices qui sont faciles à reproduire parce qu'ils sont déjà sécurisés à la base, mais faciles à reproduire pour pas que vous vous blessiez le dos. Alors, on va commencer. Vous pouvez faire juste une petite pause maintenant et ajouter la musique en musique de fond, la musique que vous aimez. Sinon, sans musique, dans le silence pour mieux se concentrer. Les deux pieds sont resserrés ou bien en posture pilate, talons serrés, pointe de pied ouverte. Vous gardez la posture bien droite dans l'auto-correction ou bien si vous préférez, pour vos genoux, pour vos hanches, pour votre dos, vous pouvez avoir les pieds serrés ou légèrement écartés. Sentez le poids du corps et sur l'avant et sur les talons. Pas uniquement sur les talons, sinon vous allez rétroverser et vous allez être mal placé. Donc le poids du corps bien réparti sur les orteils et sur les pouces, le gros pouce aussi, et les talons. Les genoux ne sont pas hyper tendus ni fléchis, ils sont souples. Un petit centimètre, deux centimètres de flexion, ça suffit. Le dos se redresse, on ne bascule pas le bassin en rétroversion en serrant les fessiers. On laisse la courbure naturelle du dos, mais si elle est trop exagérée, vous pouvez juste ramener un tout petit peu votre bassin, un tout petit peu. Puis, vous étirez votre colonne vertébrale. Vous étirez comme si vous aviez un petit verre d'eau sur la tête. Le dos se redresse et vous abaissez vos épaules. Sans tasser le dos, juste les épaules détendues. Vous inspirez, vous expirez par le nez si vous pouvez ou par la bouche. Vous pouvez aussi inspirer par le nez et souffler par la bouche. En expirant, vous sentez que le ventre se rentre. En inspirant, le ventre se gonfle un peu. En expirant, vous resserrez le ventre. En inspirant, vous le relâchez. Fermez les yeux ou regardez un point fixe devant vous, où on se regarde dans les yeux, et on continue la respiration. Les épaules sont basses. On inspire, on expire. Inspirez un peu plus maintenant sans monter la poitrine, sans faire ça. Les épaules restent basses, la poitrine ici ne bouge pas et on va mobiliser les côtes latérales, les côtes basses. Inspirez, expirez. Inspirez, vous pouvez ajouter vos mains ici et sentir si vous inspirez profondément que ici ça s'ouvre. Et expirez, c'est ce qu'on appelle une respiration costale latérale. Inspirez. Poussez un petit peu avec les mains, voilà, appuyez bien et sentez lorsque vous inspirez que ça s'écarte. Expirez assez longtemps et sentez que les côtes sont mobiles. Inspirez, expirez. Encore. C'est un travail intéressant, c'est un travail de posture et à partir de cette posture, parce qu'on est hyper bien corrigé, seulement si la colonne vertébrale est bien positionnée, le transverse abdominal peut se rétracter, peut se raffermir et tenir le bassin au buste. Inspirez, expirez. Et parce que la posture est bonne, vous pouvez contracter le périnée, mais mieux renforcer le périnée. Allez, encore deux, trois fois, on inspire, on expire. Resserrez le périnée dans le souffle, dès le début du souffle, et relâchez-le à l'inspire. Très bien, on lève les deux bras. Inspirez et expirez. Ne montez pas vos épaules, ne montez pas les épaules jusqu'aux oreilles. Gardez les épaules basses. Expirez, montez un bras. Baissez les épaules. Relâchez, puis l'autre. Relâchez. Montez les deux bras. Les épaules basses. Le dos bien redressé. Toujours bon appui sur l'avant des pieds, les talons, les genoux souples. Inclinez. Sans fléchir le buste, en montant votre bras, en soulevant ici au niveau des côtes, et vous replacez. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez sans mettre le poids du corps sur l'autre jambe. On répartit toujours le poids du corps sur les deux pieds. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez, expirez, et une dernière. Voilà, on sent le travail ici, l'échauffement. On imagine porter un énorme ballon,
on ne bouge pas les bras par rapport au buste, on oublie les bras et on expire en tournant un petit peu. Tout commence par le ventre. Inspirez. Enfin, ça commence par le souffle, mais on tourne grâce aux muscles obliques. Les lombaires s'étirent d'un côté. Mobilisation pour l'échauffement. Si vous avez mal aux épaules dans cette posture, je vous propose de mettre les pouces sur le sternum, les doigts tendus, de ne pas bouger les bras, vous inspirez et vous expirez. On peut le faire dans la position assise, jambes tendues, écartées, mais je trouve que debout c'est mieux. Allez, encore une fois. Relâchez. On détend un petit peu les jambes, dernier mouvement, on lève le bras, vous le connaissez celui-là, je le fais toujours en cours, on inspire et on expire. On regarde la main qui part, on inspire et on expire. On fait un mouvement souple, fluide. Une dernière fois et on relâche. Très bien. Vous écartez les deux pieds. La largeur de vos épaules. Les genoux sont souples. Pardon, vous levez les deux bras, vous inspirez et vous expirez en descendant. Vous relâchez la tête et les épaules. Vous laissez le corps se détendre. Vous laissez la nuque se relâcher. Vous pouvez garder les jambes fléchies. Relâchez. N'essayez pas d'atteindre le sol coûte que coûte. On reste avec une position relâchée. Inspirez, expirez. Tendez les jambes si c'est possible. Pliez les genoux ensuite, restez tête en bas. Descendez votre bassin sur une chaise imaginaire. On pose les fesses, on remonte les mains sur les genoux. On regarde devant, on pousse, on se redresse, on inspire. On lève les bras et on expire. Encore une fois, je me mets de profil. Les deux pieds sont écartés. On inspire. On plie les genoux, on enroule la nuque, le dos. On reste en bas. On lâche bien. Si c'est possible, vous tendez les jambes. Si ce n'est pas possible, on garde les jambes légèrement fléchies. C'est mieux de remonter dos plat en utilisant les muscles du dos et des cuisses plutôt que de remonter dos rond, sauf si vous êtes habitué. Mais si vous avez un petit problème dans le dos, c'est mieux de remonter ainsi. Alors on plie les genoux, on descend les fesses, on reste le corps en bas. Le buste en bas. On pose les fesses sur une chaise imaginaire. Les mains sur les cuisses. On relève la tête. On regarde vers le haut. On pousse sur les pieds. On pousse et on redresse. On inspire. Et on expire. Relâchez. Très bien. On va se mettre sur le sol. Alors, vous allez placer les genoux au sol, au bout du tapis. Et on va descendre dans cette posture. Les genoux donc ne restent écartés de la largeur du bassin, à l'aplomb de vos hanches, pas dans cette position. Ici, si on trace une verticale sur le devant de genou, il faut que ça arrive aux hanches, au crête iliaque. Les mains juste en dessous de vos épaules. Vous restez dans cette position, vous inspirez, vous expirez, les pieds sont allongés. Si vous êtes sujet aux crampes, vous mettez les pieds dans ce sens, les orteils retournés. Inspirez, expirez. Dans l'inspiration, le ventre se relâche un peu. Dans l'expiration, vous le resserrez, vous le rentrez. Alors, ça ne se fait pas au début de l'expiration, mais surtout vers la fin. Inspirez, expirez. Les poumons se vident, le diaphragme se détend. Et là, on peut rentrer le ventre. Inspirez, expirez. On peut regarder un petit peu vers l'avant. Et on baisse les épaules, on éloigne les épaules des oreilles. On inspire, on expire. On peut ajouter la contraction du périnée. Pendant que vous expirez, vous resserrez le périnée. Vous le relâchez lorsque vous inspirez. Dégagez bien le corps, poussez un peu les fesses vers l'arrière, poussez la tête vers l'avant pour un auto-étirement. Expirez. Expirez longtemps, sentez le ventre qui se rentre, les côtes qui se ferment. Puis on va faire le swimming sur les genoux en même temps. Vous décollerez la main droite, le genou gauche, main droite, genou gauche.
Vous tendez la jambe, vous tendez le bras, vous regardez devant dans le souffle. Vous reposez en inspirant et vous expirez. Vous inspirez, vous reposez et vous expirez. Vous inspirez, vous reposez, expirez. Et vous alternez bras droit, jambe gauche et bras gauche, jambe droite. Inspirez en posant, expirez, tenez. Gardez le souffle long pour resserrer le ventre en même temps que vous tendez la jambe. Travail du fessier, travail de l'épaule, travail de l'équilibre du corps. Expirez. Sentez aussi qu'il y a peut-être un côté qui est un peu plus sensible, un peu plus bancal. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois. 10 à droite et 10 à gauche. On a fait le compte, je pense. Et reposez. Et on va s'étirer, s'allonger sur les genoux en balasana. Et on va étirer vers l'avant. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des épaules, vous pouvez poser les avant-bras. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez poser la tête. Sentez le bas du dos qui s'étire. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au talon avec le bassin. Vous pouvez rester juste le bassin un petit peu surélevé. Trouvez une position décontractante pour pouvoir vous étirer et relâcher le corps. Puis nous allons placer les avant-bras au sol. Les coudes sont juste en dessous de vos épaules. Vous restez dans cette posture. Vous relevez les pointes de pied. Vous pouvez dans un premier temps rester sur les genoux en décollant les cuisses et le bassin et vous restez dans cette position. Le dos se redresse. On n'est ni cambré, ni avec un bassin rétroversé. Et si vous pouvez, vous tendez les deux jambes. Vous inspirez et vous expirez. Sentez si vous êtes trop cambré. Inspirez et expirez. Vous pouvez aussi repousser les talons vers le haut. Pardon, vers l'arrière. Inspirez, expirez. Si vous êtes habitué, vous pouvez ramener le corps en avant, puis le repousser vers l'arrière. Ramener vers l'avant et repousser vers l'arrière. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On peut aussi faire les poules avec une jambe hop, qui monte et on fait un mouvement avec la cheville en avant et en arrière. On inspire et on expire. Si c'est dur, on laisse les pieds à plat, enfin sur la pointe des pieds. On inspire, on expire. On sent que ça chauffe, que les côtes basses tremblotent un petit peu. Si c'est dur, on pose les genoux et on reste dans la posture. On inspire, on expire. Ou bien, on garde les jambes tendues. Allez, encore deux respirations. Et vous reposez. Posez les jambes, posez le ventre, posez le buste et respirez. Posez les deux mains l'une devant l'autre. Posez le front dessus et respirez. Écoutez votre respiration. Posez le front, décontractez bien vos épaules. Puis vous allez tendre votre bras gauche devant et vous allez vous tourner sur la hanche. Vous êtes bien placé, comme si vous étiez allongé sur une poutre de gymnastique. Donc le bras tendu, le corps allongé, les jambes tendues. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez mettre un petit coussin plat ou une serviette pliée en quatre pour la nuque. La main est devant. Pour éviter la cambrure, on va placer les jambes un petit peu en avant. Très bien, je vous parlerai tout à l'heure de la position neutre qu'on adopte déjà ici, mais c'est plus facile à comprendre quand on est allongé sur le dos. En tout cas, ne mettez pas les jambes en arrière. Donc, une ligne bien droite, de la main jusqu'aux pointes de pied, et ensuite vous avancez les jambes de 10-15 cm. En inspirant et en expirant,
Vous resserrez le périnée, vous rentrez le ventre. Vous relâchez. Expirez. La main est à plat. Trouvez la position qui vous va pour la main. Expirez. Attention, ne plongez pas l'épaule vers l'arrière. Gardez bien la posture bien droite. Inspirez, expirez. Pendant que vous expirez, vous relevez les deux jambes. Vous inspirez, vous expirez et vous gardez les deux jambes tendues. Restez dans la posture. La main est utile devant, mais vous pouvez la rendre plus légère. Inspirez, expirez. Si c'est difficile, vous posez à l'inspire et vous remontez à l'expire. Vous pouvez aussi faire ce mouvement dynamique en levant le bras, en levant la tête. Dégagez bien ici l'épaule des oreilles et soufflez en montant. Ou bien vous restez toujours dans l'immobilité et vous maintenez une respiration fluide. En expirant, pensez à gainer un petit peu, à rentrer le ventre. On inspire, on expire. On peut pousser la jambe du dessous un petit peu plus contre la jambe du dessus pour solliciter un petit peu plus les adducteurs, muscles internes de cette cuisse-là. Travail des fessiers, travail du dos. Les muscles profonds sont sollicités, les muscles profonds de la colonne vertébrale et du centre abdominal, le transverse, un muscle qui ne se voit pas. Inspirez, expirez en forme de gaine, en forme de grosse ceinture qui protège les viscères. Allez, on reste encore un petit peu. On inspire, on expire. On allège cette main. On pose celle-ci. On met la main sur la cuisse. On peut faire le même mouvement. On garde la main ici au sol. L'autre main reste sur la cuisse. Et on glisse comme si on voulait toucher le genou. On souffle et on replace. Vous devriez sentir ici le travail, les petits obliques, carré des lombes. Inspirez, expirez. On peut aussi mettre la main ici, bras tendus. C'est plus difficile pour l'équilibre. On reste un petit peu en haut et on essaye d'alléger cette main ici. On reste en appui quand même sur le bras. On inspire, on expire. Les côtes sont toujours posées. On rentre le ventre, on inspire, on expire. On monte les deux jambes le plus haut possible. Ça chauffe ici. Et vous reposez. Respirez. Pliez un peu les jambes. Inspirez, expirez. On s'appuie sur la main pour se relever. Pour être face à l'écran, vous êtes obligé de vous tourner, comme moi, sur le côté. On s'allonge. Vous placez vos bras correctement, le bras ici tendu, la main ici à plat, la tête posée, ou bien avec le petit coussin. Les deux jambes sont tendues. Un petit peu en avant. Et là, tout de suite, hein, faites la différence entre ça. On sent une légère cambrure naturelle. Et quand on avance ici, de 10-15 cm, on sent que ça s'efface un petit peu. Inspirez, expirez. La main est au sol. L'épaule dégagée de l'oreille. Inspirez, expirez en rentrant le ventre et levez les deux jambes. Restez. Inspirez, expirez. Je parle souvent de inspirer, expirer parce que je m'aperçois qu'en cours, on est concentré sur la posture et on oublie de respirer. C'est essentiel. Une respiration fluide. Expirez en rentrant le ventre. Si c'est difficile, vous posez en inspirant et vous expirez. Inspirez et expirez. Ça peut pincer au niveau de la hanche ici. Hein, sur le fémur, on a un petit os, une tubérosité, le trochanter. Et ça pince un petit peu quand on s'appuie dessus. Expirez. Sentez la taille, sentez les cuisses, montez avec les jambes bien tendues. On peut lever le bras et la tête. On souffle en montant et on inspire en descendant. Continuez. Soit cette posture plus dynamique. Soufflez en montant. On peut ajouter le périnée. Ou bien on reste dans la posture statique avec la tête levée. Inspirez, expirez, on continue. Ça chauffe là dans la taille. Ça chauffe dans les cuisses aussi, sur l'extérieur de cette cuisse ici.
Ensuite, on peut placer le bras et l'autre main ici, sur la cuisse. On inspire, on expire, on continue la posture. Ou bien en dynamique, monter et reposer. Veillez à ce que les jambes ne soient pas revenues à la position ligne droite, hein, toujours un tout petit peu en avant. On inspire et on expire en montant. Rentrez le ventre aussi dans l'expire, surtout à la fin de l'expire. Ou bien on reste, on pousse la cuisse du dessous un peu plus contre la cuisse du dessus, on sent bien les adducteurs, et là on peut alléger la main. On reste, on sent que l'équilibre est précaire. On inspire, on expire, les muscles du dos, les paravertébraux travaillent intensément en statique, les muscles du transverse aussi, qui font partie des muscles profonds, inspirez, expirez, et les muscles dynamiques à les fessiers adducteurs, ici, et on relâche. Pliez les deux genoux un instant et respirez. Très bien, vous allez vous appuyer sur cette main et vous allez vous relever. Vous allez tendre les deux jambes devant. Alors, les deux jambes tendues, c'est souvent un problème. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on tend les jambes, on a tendance à avoir un dos comme ça. Mais si on redresse le dos, hop, c'est mécanique, les genoux remontent. Pourquoi ? Parce que souvent, les ischios jambiers sont un peu trop courts. On a aussi un problème d'assouplissement au niveau du psoas, donc on n'est pas très très bien. Ici, souvent, ça fait très mal. Alors, vous pouvez vous asseoir sur un coussin, voilà, ou bien garder les jambes fléchies. On reste dans cette posture, on inspire, on expire, pas trop écarter les pieds, un petit peu. On redresse le dos, on inspire, on place les mains devant. En soufflant, on ne va pas s'écraser vers l'avant, ni se tasser vers le sol en dos rond. On imagine un ventre rentré comme si on s'allongeait et on s'étirait comme un élastique par-dessus un ballon. Donc on place les mains ici, on expire en rentrant le ventre et on arrondit la nuque, les épaules et le milieu du dos entre les omoplates. Vous imaginez qu'il y a comme un petit crochet avec une ficelle tendue vers le plafond qui monte et qui monte le milieu de votre dos vers le plafond. Inspirez, redressez. Expirez, spine stretch, inspirez, redressez et expirez, dos rond. Encore une fois, on inspire. Très bien, c'est pas facile à faire au début cet exercice. On fait juste un auto-grandissement de la colonne vertébrale, un allongement plutôt qu'un tassement. Très souvent, on part vers l'avant dans des exercices d'étirement parce que le but étant de toucher le sol avec les mains ou avec les avant-bras. Et donc, on est souvent dans une mauvaise posture. Là, on crée cet allongement, donc ces espaces entre chaque vertèbre qui évitent la compression des disques intervertébraux. Donc, c'est important de faire un mouvement assez petit, mais de bien sentir que vous montez votre dos en l'arrondissant. Allez, encore une dernière, on inspire. Et on expire. Allez, montez le, restez dans la posture et montez le milieu de votre dos vers le plafond. Inspirez, expirez. Et vous redressez. Très bien. Vous restez dans la posture et nous allons faire le mouvement de la scie. Les bras sont tendus. Vous tournez en expirant et vous descendez, vous regardez vers l'arrière sans accrocher votre cheville, sans attraper vos pieds. Vous redressez, vous inspirez, vous vous tournez de l'autre côté et vous descendez soit le front vers le genou, la main au-dessus du tibia ou du pied, l'autre bras étendu derrière. Comme tout à l'heure pour le spine stretch, le mouvement de la scie est un mouvement où on arrondit le dos, comme si on voulait poser le front sur la cuisse. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, on cherche à arrondir, à allonger la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tourner, regarder derrière et allonger le bras. Inspirez, mais sans aller le ventre vers la cuisse. On arrondit toujours la colonne. On n'a pas besoin de travailler
en forçant. Les abdos, là, sont actifs, puisqu'en soufflant, vous rentrez le ventre et ça vous aide à fléchir le buste sur le bassin. Rentrez bien le ventre dans l'expiration. Encore. On relâche. On rentre bien le ventre, on inspire. Une dernière fois. Et vous relâchez. Vous attrapez vos genoux, vous pivotez et vous allez vous allonger sur votre tapis. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont basses. Vous gardez les deux pieds parallèles près de votre bassin et vous respirez. Les deux pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Les bras le long du corps, les épaules détendues. Alors, parlons de la position intermédiaire ou de la position neutre. Si vous ne la connaissez pas, vous regardez et je vous explique quelques secondes. Ici, vous allez creuser volontairement votre dos en gardant les fesses au sol. Mettez la main, l'avant-bras dessous. Ça, c'est une mauvaise position. Le bas du dos est trop cambré. Maintenant, vous allez rétroverser votre bassin en ramenant les os du pubis vers le haut. Mais attention, quand on appuie sur le bas du dos au sol, on a le menton qui se relève. Le menton est légèrement rentré. Le dos est posé. Maintenant, vous allez l'écraser, comme si vous écrasiez une petite balle en mousse sur le sol. Ça, c'est une mauvaise position, parce qu'on écrase les lombaires et les disques intervertébraux ne sont pas très heureux. Donc, la position neutre ou la position intermédiaire, c'est un bas du dos, cette partie-là, du bas du dos, qui est posée sur le sol, mais pas écrasée ni décollée. Elle est posée et reste posée au sol. Vous restez dans cette posture, le menton légèrement rentré, sans crispation dans la gorge, les bras le long du corps. Et vous respirez dans cette posture. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez aussi mettre les mains sur les côtes ou ici sur le côté et vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Donc quand je vous parle de la position neutre de votre bas du dos, vous veillerez à garder le dos posé, ni décollé, ni écrasé. Si vous écrasez, vous créez une compression et vous poussez le ventre vers l'avant. Inspirez, expirez. Sentez les côtes qui s'ouvrent un petit peu ici et expirez. Ne bougez pas la poitrine à l'inspiration. J'insiste, c'est très important dans la méthode Pilates, cette position neutre. Seulement et uniquement si le dos est bien placé, vous travaillez correctement les muscles du dos qui s'étirent ou qui se renforcent selon les exercices. Continuez de respirer et vous travaillez bien la sangle abdominale, les muscles profonds qui sont les premiers muscles qui protègent vos organes et qui lient le bassin aux côtes. Inspirez. Il s'attache aussi sur les muscles derrière et sur la colonne lombaire, sur les os du bassin, au niveau des crêtes iliaques, en avant, jusqu'en bas, vers le pubis, sur les côtes en haut. Et quand vous soufflez, que vous rentrez le ventre, vous rétractez cette ceinture. Encore une fois, on souffle, on rentre le ventre, surtout à la fin de l'expire. On inspire, essayez de placer vos mains si vous ne connaissez pas la méthode et sentez quand vous expirez que le ventre s'abaisse. On peut ajouter le périnée, j'expire en resserrant le périnée. Rien que ce travail périnée-ventre-souffle, c'est un travail qui est déjà intéressant. Inspirez, expirez. Encore. Une dernière fois, toujours en position neutre ou posture intermédiaire pour le bas du dos, c'est la même chose. Très bien. Les bras le long du corps, on va faire un demi-pont. On rapproche les pieds, pas forcément près, une flexion normale. Vous remontez en inspirant. Le menton est un peu rentré. Et vous expirez en redescendant la colonne vertébrale en douceur. Le haut du dos, le bas du dos et les fesses. Vous reprenez, vous inspirez, vous montez. Et vous expirez, vous redescendez en douceur.
encore une fois, vous inspirez et vous expirez. Continuez, inspirez, montez et expirez. Relâchez. Très bien. Les deux bras le long du corps. Vous pliez la jambe droite et vous gardez le dos en position neutre. Puis vous ramenez l'autre genou sur la poitrine. Attention, si vous ramenez trop, vous écrasez les lombaires. Si vous repoussez trop vers l'avant, vous creusez le bas du dos. Inspirez, expirez. Gardez la position neutre. Concentrez-vous sur le ventre. Je souffle en rentrant le ventre. Inspirez, expirez, soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre, essayez de tendre les jambes. Et revenez. Attention, lorsque vous tendez les jambes, vous risquez d'écraser le bas du dos ou de le décoller. Donc surveillez dans le souffle, à la fois le gainage, les jambes se tendent, mais ce n'est pas tellement l'objectif. L'objectif est de garder le dos neutre avec un ventre rentré. Les muscles lombaires s'étirent pendant que les abdominaux se contractent. Je ne devrais pas dire abdominaux, mais centre abdominal. Joseph Pilate ne parlait pas d'abdominaux. Soufflez. Pour lui, c'était la maison ici. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. On peut garder les jambes serrées. On peut garder les pointes de pied ouvertes en serrant les deux talons. Inspirez, expirez. Encore, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes ou si vous êtes vraiment contracté au niveau des cuisses et que c'est très dur parce qu'un manque de souplesse derrière, c'est pas grave. Vous pouvez aussi le faire avec une seule jambe. Vous pliez une jambe, puis vous tendez l'autre. Vous inspirez, vous pliez et vous soufflez, vous tendez. Inspirez, pliez, soufflez. Inspirez, pliez, soufflez. Inspirez, gardez le dos en position neutre et relâchez. Posez un pied, posez l'autre. Respirez. Sentez que vous avez travaillé au niveau de la sangle, au niveau des étirements de votre dos, des cuisses, étirement ici et contraction ici. Respirez. Nous allons faire les roll-ups. Alors, les roll-ups, sauf si vous souffrez du bas du dos avec des problèmes d'hernie, tous les problèmes de lombalgie, si c'est difficile, vous restez allongé et soit vous reprenez l'exercice que nous avons fait avec le périnée et le ventre, avec les jambes fléchies au sol pendant 10 répétitions, et puis vous reprenez le travail des jambes tendues pendant que nous allons faire les roll-ups. Alors, les deux mains sont ici, sur les cuisses. On peut céder au départ pour remonter. On va souffler en montant et on va ramener les deux jambes. On peut attraper les cuisses comme ça avec les mains. Ensuite, on va se relever, relever le dos. Et puis, on va descendre. Dans un premier temps, on va tenir avec les cuisses, les mains et on revient. On inspire, on redresse. Et on expire, on descend. On arrondit juste le dos, on tient bien avec les mains, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et si tout va bien, on souffle en descendant la colonne. On inspire, on amène les bras en arrière. Attention, on ne laisse pas cambrer, on reste dans la position neutre. On relève les bras, on souffle. Soit on attrape les cuisses, soit on ne les attrape pas. Une fois les jambes tendues devant, on imagine passer par-dessus un ballon. On ne descend pas le dos plat sur les cuisses. On relève les bras, on inspire. Et on freine la descente, jambes tendues. On inspire, on ramène les bras en arrière sans cambrer. On relève un petit peu les genoux. Ne rapprochez pas trop les pieds vers vous. Et on descend. Dos rond. Vous descendez les mains pour ne pas fatiguer le dos, mais vous arrondissez bien le dos. Vous inspirez, freinez. À la remontée et à la descente, on peut ajouter le périnée. Expirez. Tendez. Alors, dans la méthode originale,
Joseph Pilate faisait descendre et monter jambes tendues. Mais il y a un siècle, je pense que les corps étaient plus souples, moins sédentaires. Donc on peut remonter jambes tendues si tout va bien. On inspire, mais je préfère la montée jambes pliées pour bien enrouler la colonne vertébrale et pas trop solliciter le psoas iliaque. À inspirer, il est moins sollicité lorsque les jambes sont fléchies. À inspirer, tendez, baissez les bras, baissez la nuque. À inspirer, inspirez. Relevez. Freinez. Allez, encore deux. Et on reste quelques instants. Lâchez dans les bras. Respirez. Puis vous redressez et vous vous placez à nouveau sur le dos. Soufflez, rentrez le ventre. Très bien. On plie la jambe droite, on plie la jambe gauche. Travail des muscles fessiers et ischio-jambiers. Le dos est bien placé. Vous faites une fois un demi-pont pour bien placer votre colonne vertébrale. Très bien. Alors les pieds ne sont ni trop près du bassin, ni trop loin. Gardez un écart des deux pieds, la largeur de votre bassin, pieds parallèles. Placez bien vos orteils, appuyez aussi avec les gros orteils pendant le mouvement, les bras le long du corps. Normalement, on n'a pas besoin de serviette derrière la nuque, sauf si vous sentez que le menton est toujours relevé et que vous n'arrivez pas à le ramener un petit peu en avant. En expirant, vous montez votre bassin. Attention, on ne monte pas la poitrine comme ça vers la gorge. On laisse les omoplates au sol, le bassin est relevé, le ventre est rentré et vous êtes bien en appui sur les deux pieds, gros orteils, les orteils et les talons. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour muscler les fessiers, mais il faut bien faire le mouvement, ne pas mélanger qualité et quantité. Le dos est bien placé, on respire. Vous sentez les deux os ici, vous ne devez pas bouger le bassin et tourner. Restez toujours avec ces crêtes iliaques ici, toujours à la même hauteur. En expirant, vous allez tendre la jambe droite. Veillez à ce que le bassin soit toujours dans cette position bien placée. Tendez la jambe et restez dans cette position. Inspirez, expirez. Le pied d'appui sur le talon, le gros orteil et les autres orteils. Si vraiment vous sentez que la crampe arrive dans les ischio-jambiers, vous appuyez plus avec votre talon. Sentez le travail du fessier. Inspirez, expirez. Puis vous descendez cette cuisse. Vous pliez le genou, vous reposez le pied à côté de l'autre avec un espace. Vous avez toujours le bassin dans la même position. Vous relevez l'autre jambe délicatement et vous l'attendez. Vous restez dans la posture. Vous inspirez, vous expirez. Poussez bien avec votre talon, poussez bien avec l'avant des pieds. Inspirez, expirez. Pas de tension dans la nuque, ni dans les bras, ni dans les épaules. Les bras sont utiles pour tenir le buste. La poitrine n'est pas remontée en même temps. Vous descendez cette jambe, vous posez. On fait une petite pause. On remonte le bassin avant pour le poser en arrière. On pose le dos et le bassin, on respire. Je vous propose de refaire cet exercice. Si toutefois c'est suffisant en intensité, vous répétez cet exercice 3 fois, chaque côté. Sinon, on peut aller un petit peu plus loin dans le mouvement. On reprend, la jambe se tend, on appuie bien avec le talon, le gros orteil et les orteils. C'est important parce que souvent on est en appui que sur le côté du pied et que sur le talon. Puis là, on va descendre la jambe. Dès que la cuisse est à hauteur de l'autre cuisse, on s'arrête. Puis on ramène. On peut pointer vers l'avant et repousser le talon vers le haut quand on ramène. Les bras tendus, le bassin n'a pas bougé, toujours à la même hauteur. La hanche droite, puisque c'est la jambe droite qui travaille,
n'est pas en bas, hein, on n'est pas décalé. On descend. Entre 5 et 10, on reposera le pied délicatement pour changer de côté. Donc vous pouvez vous arrêter à 5 si ça chauffe de trop. On inspire, on descend. On souffle quand la jambe revient. Soit on garde le pied neutre ou on ajoute ce petit mouvement de cheville, étirement du mollet chaque fois. Ça active la circulation du retour. Puis on plie la jambe ici, on pose la pointe de pied, le talon, on reste en haut. Si vous avez besoin de faire une petite pause, vous reposez votre bassin quelques instants. On surveille la position du bassin, les bras le long du corps, le menton un peu rentré, les épaules détendues. On décolle l'autre jambe et on reste. Le bassin bien placé, on descend la jambe tendue à côté de l'autre et on ramène. On peut faire ce mouvement aussi avec la cheville et le talon. Respirez entre 5 et 10 fois. Sentez bien la contraction du fessier, de la jambe qui est fléchie. Appuyez bien aussi avec le gros orteil. Et on redescend lentement. On pose la pointe, les deux pieds bien placés. Et vous redescendez en douceur le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers. Respirez. On va se placer sur le côté, sur la hanche. Vous tendez le bras dans l'alignement du buste, les deux jambes tendues. On replace la main devant. N'oubliez pas, on avance 10 cm les deux jambes pour bien placer la colonne lombaire. Vous inspirez, vous expirez. Vous levez la jambe du dessus, puis vous allez décrire un cercle en avançant un petit peu la jambe, puis vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Alors, ce qui se passe, c'est que les épaules vont bouger en avant et en arrière. Quand la jambe part en arrière, on a tendance à mettre l'épaule en avant. Placez bien votre main ici au sol et faites un cercle. En rentrant le ventre, rien ne bouge, on pourrait placer un petit verre d'eau sur l'épaule du dessus. En avant, vers le haut, vers l'arrière. Ralentissez le mouvement et allez bien en arrière sans bouger votre épaule. Sentez la contraction du fessier. On peut ajouter aussi la pointe de pied qui monte vers le plafond lorsque vous faites le cercle. Inspirez, expirez. Voilà. Lorsque vous contractez en arrière, insistez. Inspirez, expirez. Encore une fois. Et relâchez. Pliez les deux jambes. Respirez. On garde les talons serrés. Les pieds sont vers l'arrière. Lorsque vous remontez votre genou, vous gardez le contact du talon contre l'autre talon. Vous n'entraînez pas la hanche en arrière, le bassin est fixe et l'abduction se fait de la cuisse par rapport à ce point fixe, le bassin. On souffle, on peut ajouter le travail abdominal à chaque fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On pousse, on peut imaginer que les deux genoux sont attachés par un élastique et qu'on fait un effort en repoussant une charge à partir de l'extérieur du genou. On inspire, on expire. Appuyez bien le talon contre l'autre talon et sentez le travail plus localisé dans le fessier. On inspire, on expire de façon régulière. Encore 4-5. Vous devriez sentir le travail dans le fessier. Inspirez, expirez. Puis on va ajouter, je monte la jambe,
Je tends la jambe, la cuisse reste toujours au-dessus de l'autre. Je plie la jambe et je pose. Levez la jambe, tendez la jambe, repliez la jambe et posez. Encore une fois, soufflez, tendez, pliez et reposez. Levez la jambe, tendez, hop, et reposez. Et on relâche, décontracté. On change de côté, on s'appuie avec la main et on se tourne. On tend le bras, on pose la tête, on tend les deux jambes. Ligne droite, comme si vous étiez allongé sur une poutre de gymnastique. On n'oublie pas les deux jambes, hop, 10-15 cm en avant. On inspire et on expire. La main est à plat, l'épaule dégagée de l'oreille. On lève la jambe, on ramène en avant, puis vers l'arrière. On imagine le petit verre d'eau posé sur l'épaule. On inspire et on expire. Ramenez en avant. La main est utile, hein, devant. Inspirez, mais on peut le faire aussi sans la main si vous êtes habitué. On peut tourner la pointe de pied vers le haut, puis vers le bas. Voilà, parce que le fessier est un muscle extenseur de la cuisse sur le bassin et rotateur externe de la cuisse. Donc ce mouvement, en tournant la pointe de pied vers le haut, permet de mieux contracter le fessier. Travail des abducteurs, ici. Voilà, on appelle les muscles fessiers les glutéraux. Moi, je préfère le nom fessier. Allez, on inspire, on expire. Faites attention de ne pas ramener la jambe vers vous afin de pincer la taille. Imaginez que vous voulez toucher un mur au bout du pied. On inspire, on expire. Allez lentement, insistez quand vous allez en arrière sans bouger votre bassin. Encore deux fois. Et vous relâchez. Vous fléchissez. Dernier exercice. On garde les deux talons serrés, l'un contre l'autre. Les pieds vers les fessiers. Les genoux ne sont pas trop vers l'avant. On monte et on relâche. On monte, on relâche. Le bassin est fixe, je vous rappelle. Et le talon est fermement appuyé contre l'autre talon. Vous remontez, vous descendez, inspirez, expirez. Imaginez aussi ce petit élastique que l'on place autour des deux genoux. Et lorsque vous faites ce mouvement d'abduction, vous sentez le travail localisé dans le fessier. Inspirez, expirez. Vous avez aussi un travail du dos qui se fait dans le maintien, on ne le sent pas vraiment. Vous pouvez ajouter le travail abdominal. Inspirez, expirez. Encore. Et vous relâchez. On va finir par le mouvement du chat. 5 répétitions. On se place sur les genoux. On écarte les genoux de la largeur du bassin, juste en dessous des hanches, les mains à plat. On inspire, on laisse le dos se creuser, on lève la tête. On expire dans le dos rond, on repousse le sol avec les mains, on regarde vers le ventre, ventre rentré. On inspire, on lève la tête, le dos se creuse. Expirez, dos rond. Inspirez, levez. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Une dernière fois, inspirez, expirez. On remonte sur les pointes de pied, on tend les jambes, on repousse le sol avec les mains, on peut garder les jambes pliées, on ramène les mains jusqu'aux chevilles. On inspire, on expire, soit on garde les jambes tendues, soit on les plie. Pour remonter, soit dos rond, soit dos plat comme on a fait au début, les mains sur les cuisses, on imagine s'asseoir sur une chaise. On relève ensuite la tête, on repousse la tête vers le haut pour faire travailler les muscles du dos et on pousse sur les cuisses pour s'aider au redressement. Vous inspirez, vous expirez. Restez bien droit, bien droite. Les bras le long du corps,
sentez que vous avez travaillé votre corps, sentez que vous l'avez étiré, renforcé, mobilisé, le but de la méthode Pilates, travail essentiel des muscles profonds du dos et du centre abdominal avec les muscles dynamiques. Je vous propose de faire cette séance tous les jours, une partie des exercices ou avec plus ou moins de répétitions, ou tous les deux jours. Et vous pouvez donc faire cette séance de façon régulière en choisissant les mouvements qui vous sont confortables. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et à très bientôt au Paris Golf Country Club.